Voici une astuce, ma chérie, très puissante contre la sorcellerie, peu importe l'endroit. Donc, tu fais cela pour te protéger et ça dépend de ce que tu vas dire pendant l'astuce et tout. Tu vas rentrer, ma chérie, chercher une coco non mûre, comme tu vois en image. Tu vas écrire ton nom sur ça et tu écris protection. Tu vas prendre cette coco, garder dans un coin de ta maison pendant 7 jours. Et pendant les 7 jours, chaque matin, quand tu te réveilles, tu dois prendre cette coco, déposer au sol, tu fais tes vœux sur ça et tu remets encore sur le même endroit. Et les vœux que tu vas faire, ça doit concerner les vœux de protection. Quand tu finis, ma chérie, qu'est-ce que tu vas faire au 7e jour? Au 7e jour, tu vas rentrer, ma chérie, prendre cette coco, tu vas ouvrir le coco, tu vas verser son eau ici, là. Tu verses tout son eau ici et tu vas rentrer maintenant, prendre une cuillère à café de sel gros grain, tu vas introduire à l'intérieur et tu m'ajoutes un bouchon de parfum protection comme tu vois en image, tu vas mettre à l'intérieur. Tu vas prendre cette eau, tu vas parler dessus, tu vas dire tout ce que tu veux comme protection. Mais là, je vous ai aidé avec une phrase de protection, vous allez lire cela. Tu vas prendre cela, ma chérie, quand tu viens de faire tes vœux, prends au moins même 30 minutes, tu parles tout dessus. Si c'est pour te protéger avec tes enfants, s'il faut protéger les mêmes gens que tu écris le nom sur la coco le premier jour, tu parles tout dessus. Quand tu finis de parler tout dessus, tu vas prendre cette eau divisée en deux. La moitié de l'eau, tu dois verser sur la terre. Quand il dit la terre, ce n'est pas sur les carreaux. La terre, tu dois verser sur la terre quand tu finis de faire tes vœux. Maintenant, la moitié qui reste là, tu vas diviser cette moitié-là en sept. Chaque matin, quand tu te réveilles très tôt le matin, tu prends un peu cette partie, tu vas ajouter dans l'eau de ton bain 5 litres d'eau, tu rinces ton corps. Après 7 jours, toi-même tu verras avec tes propres yeux. Ça, c'est une protection à refaire chaque 6 mois. Pardon, c'est 2 fois par an. Ça va vraiment t'aider, ma chérie. Et si c'est pour faire aussi sur tes enfants, dès le premier jour, tu dois écrire le nom des personnes que tu dois protéger sur la norme. Mais je préfère que tu fasses d'abord pour toi. Quand tu vas finir de faire ta part, tu fais pour autre personne pour ne pas embrouiller l'astuce. Donc fais cela, tu vas voir ma chérie. Et n'oublie pas d'attacher un fil noir et blanc que tu vas mélanger, soit sur tes reins, soit sur tes pieds, soit sur ton cou, soit sur ton poignet de la main comme ceci. Fais cela et tu vas voir, tu laisses le fil jusqu'au jour où le fil va se couper tout seul avant de refaire l'astuce. Tu peux faire pareil sur tes enfants, ça protège vraiment. Abonnez-vous pour plus d'astuces et pour tous ceux qui veulent me joindre, n'hésitez pas à m'écrire directement, soit sur mon Instagram, soit sur mon numéro WhatsApp, soit vous me laissez un commentaire, je vais vous répondre. Bisous mes caviars, abonnez-vous pour plus d'astuces, n'hésitez pas à partager et liker.